Alors nous voici à l'intérieur de la batterie dite du chemin de l'émigrat. C'est une batterie de 33 kW, 100 kWh, qui a été installée dans le cadre du projet Nice Grid en collaboration avec nos partenaires Saft et Socomec. Ce quartier accueille déjà une assez forte production photovoltaïque, production qui se renforce d'ailleurs, puisque aujourd'hui même, un des propriétaires dans ce quartier est en train de construire une installation qui accueillera d'ici quelques semaines 24 kW supplémentaires qui viendront s'ajouter à la dizaine d'installations photovoltaïques existantes. Le but de la démonstration à laquelle vous allez assister est de vous montrer qu'avec ce genre de batterie qui peut stocker ou déstocker de l'énergie sur le réseau électrique, on peut jouer sur ce qu'on appelle le profil de tension du réseau d'électricité basse tension qui alimente ce quartier. Nous allons commencer par charger la batterie depuis le réseau électrique à son maximum, à la hauteur de 33 kW. Et vous allez pouvoir constater sur les écrans de contrôle immédiatement une baisse de la tension d'environ 6 à 8 volts. C'est parti. Là, on voit déjà que ça va mieux. Et là, oui, la tension baisse. 235, 219. Là, on en voit 34 kW. Vous voyez, la tension a beaucoup chuté. On est passé de 240, 230 à 232, à 220. Donc on a perdu à peu près 6 à 8 volts. La batterie se charge depuis le réseau électrique, ce qui explique que la tension chute. On voit bien que l'énergie va du réseau électrique à la batterie se charge. Maintenant, nous allons mener l'opération inverse. Nous allons passer d'une charge de la batterie de 33 kW à une décharge de la batterie de 33 kW. Donc nous allons modifier l'injection d'électricité sur le réseau à hauteur de 66 kW. Et vous voyez, quasi instantanément cette fois-ci, la tension remontée d'une douzaine de volts sur le réseau électrique qui alimente les habitants du quartier. Donc la démonstration est faite qu'avec ce type de batterie, on peut jouer sur le profil de tension, on peut améliorer la qualité de la tension dans un quartier.